Et bien c'est parti. Bonjour Rosette Pipa. Bonjour Muriel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un beau cadeau que vous faites de venir du Québec. D'autant plus que, si j'ai bien compris, vous êtes d'origine belge. Et oui, chaque fois que je reviens en Europe, je me demande pourquoi j'ai quitté l'Europe. C'est tellement beau et évidemment on est dans un décor complètement idyllique ici. Hein. Et je rencontre plein de personnes extraordinaires. C'est un vrai bonheur. Mais je vous remercie. Alors justement, à propos du bonheur, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous? Eh bien, une certaine amie que nous avons en commun m'avait parlé beaucoup de vos projets, en fait. Et ça m'intriguait. Et comme beaucoup d'êtres humains, je suis en quête du bonheur depuis ma jeune et tendre enfance, je crois. Voilà. Et le bonheur, comment le trouve-t-on? Ah, le bonheur, c'est notre propre responsabilité, je pense, malgré tous les aléas de la vie. Je crois que, dernièrement, je me suis dit que c'était comme un exercice, une pratique. C'est quelque chose à quoi il faut ouvrir la porte. D'où votre idée de concevoir pour la nouvelle fois de bonheur, les apprentis du bonheur? Oui, exactement, parce que vous m'aviez gentiment proposé d'être ambassadrice, mais moi je sais que non, je ne suis peut-être pas la digne représentante de la personne totalement épanouie, mais par contre, je suis en quête du bonheur depuis longtemps, et pas seulement en quête, je pense que je l'expérimente quand même dans ma vie de plus en plus souvent, et je crois qu'il y aura beaucoup d'adeptes pour cette branche de votre organisme, parce que beaucoup de gens comme moi cherchent, je ne veux pas dire désespérément, mais assidûment le bonheur. Et bon, souvent on dit que c'est quelque chose de très 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 simple, mais il faut juste y faire attention, sinon ça y passe et on ne l'a pas vu. Donc vous proposez en fait d'attraper le bonheur et de le garder, de partager avec les apprentis du bonheur. Oui, en fait je pense que c'est une prise de conscience que l'on peut faire, comme je disais, d'une façon pratique, régulière, pour se rappeler que les belles petites choses de la vie sont à notre portée. Et je suis accompagnée d'ailleurs de Sœur Angèle, qui est un vrai rayon de bonheur, donc c'est plus facile ainsi. Alors vous avez une expérience en tant qu'écrivain, vous écrivez des poèmes, vous avez une expérience aussi auprès de jeunes, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Eh bien, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la soupe parce que j'ai trop de centres d'intérêt. Mais une des expériences qui m'a beaucoup touchée dans ma vie, c'est quand je me suis occupée d'une fondation et qu'on a fait un projet de réinsertion sociale pour les jeunes décrocheurs scolaires, donc des jeunes qui étaient dans la rue, drogués, perdus, pas à l'école. Et on a eu une centaine de jeunes en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Et en intégrant des artistes et des possibilités de rencontrer des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils ont tous raccroché, ils sont tous guéris. En fait, je crois que l'élément primordial, et ça vaut pour les apprentis du bonheur, c'est de se reconnecter avec quels sont nos talents naturels, qui sont nos passions, et nos passions nous mettent dans l'action, et dans l'action c'est le bonheur. Alors si je peux résumer, c'est ça, mais le problème c'est qu'on suit toujours des traces qui sont faites par d'autres et on tente de s'y conformer parce qu'on pense que c'est l'idéal à atteindre et on oublie d'écouter son propre cœur où réside le bonheur. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à concrétiser les apprentis du bonheur. Voilà. Et vous souhaitez plein de succès pour cette magnifique initiative. En tout cas, moi j'y crois beaucoup. Oui. Donc on va la faire ensemble. Non seulement on va la faire ensemble, mais je suis persuadée que ça va attirer beaucoup de questionnements et beaucoup d'intérêt. Oui. Chez nos contemporains. Merci madame. Merci.